Bonjour à tous, je suis Karine Bercier-Loidin, pasteur de l'église Adventiste du 7e jour, et nous nous retrouvons avec joie et plaisir pour une nouvelle semaine, accompagnée de mes collègues. Bonjour Émile Laza. Bonjour. Bonjour Erwin Kessner. Bonjour. Alors, nous allons commencer donc notre étude sur le thème de ce trimestre qui est l'unité en Christ. L'unité en Christ. Une phrase, un thème qui promet de nous faire étudier quand même pas mal de sujets. Parce que qu'est-ce que vraiment l'unité en Christ? Est-ce que c'est dans ma foi, dans ma confession? Est-ce que c'est plus large que cela? En tout cas, il y a pas mal de sujets à exposer. Mais juste avant de pouvoir commencer avec le premier thème de cette semaine, je vais demander donc à Émile de bien vouloir prier pour nous. Merci. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège d'ouvrir ta parole, de comprendre ta sagesse. Et nous te demandons que ton Saint-Esprit soit celui qui nous guide aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quand surgissent les conflits, quand surgissent les conflits, que fait-on? Comment est-ce que cela se passe? Comment le vit-on? Et est-ce que même cela a vraiment du sens? D'ailleurs, quand surgissent les conflits, ça paraît même presque antinomique et paradoxal pour des chrétiens, mais pourtant ça existe. Alors pour commencer, voici un texte que vous pouvez trouver donc dans Galates 3, Galates 3 au verset 27, d'abord le verset 27. Galates 3, verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents termes qui sont dans cette phrase? Parce qu'il y a une portée par la suite, bien sûr. Donc, baptiser, revêtir, qu'est-ce que ça veut dire? Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une définition de l'apôtre Paul concernant le baptême dans Romains, le chapitre 6, qui dit que le baptême, c'est l'identification avec le geste le plus fort que Jésus il a fait, sa mort et sa résurrection. Et quand quelqu'un se baptise, il déclare d'une manière publique qu'il veut être exactement comme Christ. D'accord. Après, il y a sa vie. Et chaque jour, il doit vivre après la loi du Christ. Ça veut dire qu'il doit respecter les enseignements du Christ, mais aussi d'être dans les relations avec les autres, exactement comme Christ a été dans les relations avec les autres, d'imiter effectivement Jésus dans sa vie. Ça veut dire baptiser, identification publique avec Jésus, déclaration à partir de ce moment-là, sa vie sera la vie du Christ. Et après, tous les jours de sa vie d'après, il faut pratiquement vivre comme Christ. Merci, oui. Je suis d'accord, et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit pour lui-même en Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je considère que c'est une des idées les plus profondes qu'on puisse avoir, que je me donne à Christ. Et puis commence un processus extraordinaire où, petit à petit, ce n'est plus moi, mais je me transforme, pas du point de vue extérieur, bien sûr, mais c'est le caractère, mon caractère qui, au début, bon, il est mieux ou meilleur ou moins bien, mais mon caractère, il va, petit à petit, devenir comme celui de Christ. Et c'est comme si on prend un vêtement, c'est l'image, voilà, c'est Christ après qu'on voit. Donc, la personne, après un certain temps, ce n'est plus lui, mais le comportement est celui de Christ. Et voilà, il est vêtu de Christ, ça veut dire qu'il se comporte comme Christ. Et les personnes qui le perçoivent voient pratiquement le comportement de Christ. C'est vers cette dimension que nous devrions tendre tous. Et ça a aussi un lien avec le fait de manger et boire Jésus-Christ dans la scène. Oui. Le fait de consommer la chair de Christ en symbole, ça veut dire aussi que ça devient après part de moi-même. D'accord. La question fondamentale pour un chrétien, c'est ce n'est pas est-ce que je suis conformément à la loi, mais la question, est-ce que je suis conformément à Christ? Parce qu'il y a un texte aussi que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, le verset 4, qui dit que Christ est la fin de la loi, dans le sens que Christ est l'accomplissement définitif de la loi. Tout à fait. Quand on parle d'unité,
parce que c'est le thème général, l'unité est toujours basée sur quelque chose. Mm. On ne peut pas être unis ça. On est unis parce qu'on vient de la même famille, on est unis parce qu'on a les mêmes origines, on est unis parce qu'on a les mêmes intérêts. Et dans ce cas-là, la base de l'unité est Christ. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on est unis en Christ, en ce qu'il est, en ce qu'il enseigne, et c'est là que se passe l'unité. Donc, ce n'est pas une unité à tout prix ou à dans d'autres idées. C'est autour de Christ. Et là, le baptême dont on parle, c'est bien le baptême par immersion, baptizo. Donc, c'est immerger, c'est être plongé totalement dans l'eau pour ressortir une nouvelle créature. Et comme vous disiez, revêtir justement cet apparat, en tout cas ce comportement, cette attitude, cette pensée même de Christ. Et justement, vous parliez d'unité. Alors là, concrètement, parce que nos études aussi, c'est pour que nous soyons concrets, que nous comprenions la pensée, mais aussi que nous puissions l'appliquer concrètement. Quand on parle concrètement, là, d'unité, tout chrétien de toute confession ayant été baptisé en Christ est donc revêtu de Christ, d'accord ? Donc, qu'il soit évangélique, adventiste, pentecôtiste ou tout autre chrétien revêtant Christ, on peut dire que c'est donc nous sommes tous en Christ. Alors, la question... Est-ce de l'œcuménisme que de considérer l'unité aux autres qui croient en Christ, cette unité en Christ, qu'elle soit plus répandue? Est-ce que ça, c'est de l'œcuménisme? Non. Qu'est-ce qui commence? Déjà, la pensée ici n'est pas confessionnelle. Mm. Paul ne parle, même s'il dit grec et juif, mais ce n'est pas dans le cadre confessionnel qu'il parle. Et... au moment où on est baptisé en Christ, au moment où on accepte Christ, je pense qu'il peut être une unité avec toutes les personnes qui déclarent déjà être chrétien. Mais ce n'est pas seulement être chrétien qu'on suit aussi Christ. Ça veut dire que le Christ avait un enseignement. Il y a des gens qui se disent chrétiens. Prenons l'exemple de l'Église catholique au Moyen-Âge. Ils étaient chrétiens et ils ont tué toutes les personnes à leur portée qui avaient d'autres idées. Donc, je ne pourrais pas être uni avec une telle personne, jamais dans la vie. Je pourrais l'accepter, je pourrais l'aimer, je pourrais essayer à l'aider, mais je ne pourrais pas me considérer uni avec lui. Il faut faire attention parce que Christ, il n'appartient pas à une confession. Christ, c'est une philosophie de vie, c'est une manière de vivre. Et il est possible qu'il y a des chrétiens de tous les bords, de toutes les confessions, qui peuvent passer par ce changement. Ça veut dire qu'ils s'identifient totalement avec Christ et qu'ils veulent, avec les conceptions qu'ils découvrent dans la Bible, avec la lumière qu'ils ont de la Bible, ils veulent exactement vivre comme Christ. Et ça n'empêche pas, par exemple, moi, en tant qu'adventiste, l'autre en tant que pentecôtiste, l'autre en tant que baptiste, qu'on peut avoir, à un moment donné, une entente entre nous, parce que nous respectons l'un l'autre, exact comme Christ nous a enseigné. Maintenant, quand on parle de l'écuménisme, ça c'est une autre chose. Il ne faut pas confondre, parce que le mot écuménisme est utilisé plutôt pour réaliser un fin politique. Ah. Et ça c'est... Pour moi, je ne crois pas que l'unité doit se réaliser avec des moyens politiques. Si l'unité doit se réaliser, c'est l'unité qui a été décrite, qui a été présentée par Jésus-Christ. Et quand vous lisez, par exemple, la prière, c'est la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17, là, Jésus, il est clair. La sanctification se fait par la vérité, et la vérité est la parole de Dieu. Donc, si... l'autre qui est de l'autre confession, il découvre dans la parole de Dieu comment Jésus a vécu, comment Jésus s'est comporté avec les autres, quels étaient les principes de vie de Jésus. Donc, Jésus peut vivre avec lui, peut vivre en lui. Bon, ça m'arrive des fois de rencontrer des gens, des chrétiens d'autres confessions avec qui je peux avoir une amitié et un partage si forte. Il ne faut pas exclure ça ou limiter ça en disant seulement... C'est dans ma foi, dans ma confession, que Jésus peut agir. Jésus agit au-delà des frontières d'une confession.
Oui, c'est l'idée de l'Église invisible. Et en plus, l'écuménisme, en tant que tel, veut unir les chrétiens autour d'une base très réduite de la vérité qui est commune, et tous ceux qui divergent doivent être laissés à côté par eux. Donc là, on ne peut pas marcher, et ce n'est pas non plus dans ce sens-là que parle Paul. Le texte dit qu'il faut être à la fois baptisé et revêtu avec Christ. Oui. Mais pour l'écuménisme, ce qui compte, c'est le baptême. Si tu es baptisé, tu es chrétien, tu es nommé chrétien, ça suffit, il faut que tu trouves un moyen de t'entendre avec les autres. Mais il y a un peu ils mettent à l'écart ce revêtement de Christ. Oui, ce qui est quand même une base quand même essentielle, oui, pour dire qu'on voit Christ et qu'on ensemble. Représente Christ. Oui. Les deux marchent ensemble, le baptême avec les vêtements du Christ. Alors justement, on va continuer, parce que ça va même plus loin que simplement la confession, et c'est une réalité aussi aujourd'hui. Le verset 28 continue et dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ ». Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer pourquoi Paul fait cette allusion, et pourquoi ce parallèle entre juif, grec, esclave, libre, homme, femme? Replongez-nous en fait dans le contexte de l'époque pour que nous puissions comprendre pourquoi il précise cela. Alors, chacun se définit dans son identité par une ou plusieurs, éléments. Donc, moi, par exemple, je suis romain, je suis homme, je suis pasteur, je suis marié, voilà, je suis libre, bien sûr, parce que l'esclavage n'existe plus. La question est, qu'est-ce que je suis tout d'abord? Parce qu'il y a des personnes qui sont tout d'abord, je ne sais pas, serbes. Vous savez, il y a une question de Macédoine qui a été discutée pour est-ce qu'ils peuvent s'appeler la Macédoine du Nord. Et il y a quelqu'un qui a dit, moi je suis macédonien de je ne sais pas combien de temps et je reste macédonien, je ne suis pas macédoine du Nord. Mais pour un chrétien, je considère qu'il faut qu'il soit d'abord et surtout chrétien. Et si je suis chrétien, je suis proche de toutes les personnes qui sont chrétiens comme moi. C'est ça qui compte. Ce n'est pas ma nationalité, ce ne sont pas mes origines. Et je suis plus proche, normalement, je devrais l'être, de quelqu'un qui partage Christ avec moi que d'un membre de ma famille qui ne le fait pas. Et mon identité principale est que je suis chrétien. Et juste après vient toute autre chose qui pourrait t'arriver. D'abord, je suis chrétien. C'est le plus important. D'accord, merci. Bon, si on plonge un peu dans la situation du premier siècle, il y a une fragmentation de la société avec des tendances de se croire supérieur aux autres. Mm-hmm. Par exemple, un citoyen romain, dans l'Empire romain, il était supérieur aux autres. Il n'était pas soumis aux mêmes lois, aux mêmes corvées que les autres. Les Grecs aussi se considéraient supérieurs aux autres. Les Juifs aussi, il avait cette tendance de supériorité. Après, il y avait cette différence entre hommes et femmes, entre des gens qui étaient propriétaires des gens libres et des esclaves. Donc vous avez une société. Un peu comme aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a encore de l'esclavage dans certains pays. Même encore. Si aujourd'hui on a des déclarations des droits de l'homme, du citoyen, que tout le monde dise que ça c'était... Mais en fait, on ne respecte pas ça. Parce que si, vous voyez, s'il y a 3000 Africains qui meurent dans une guerre aujourd'hui, ça ne concerne pas beaucoup de gens. Mais s'il y a un attentat à Paris où il y a 15 personnes qui meurent, on va parler de ça pendant des mois et des mois. Parce qu'il y a dans la société cette conception qu'ici, les gens sont plus valeureux que dans les autres parties du monde. Et ça, ce n'est pas vrai. Devant Christ, il n'y a pas ça. Devant Christ, chaque personne, chaque humain a la même valeur. Et c'est ça qu'un chrétien doit apprendre et doit vivre avec ça. Devant lui, quand il voit un homme, une femme, il faut savoir que l'amour de Christ pour cette personne, c'est le même amour que pour lui. Et ça crée entre nous une égalité totale. Et il faut vivre avec ça. De valeur. Oui, même si, écoutez, même si nous ne sommes pas, peut-être d'une manière naturelle, portés vers une telle conception, il faut se battre pour nourrir une telle conception.
Alors, je ne sais pas si vous aurez nécessairement la réponse, mais toujours pour parler concrètement, et ça a été très bien dit, il n'y a plus de question de statut, qu'il n'y a pas l'histoire de l'esclave ou de celui qui est supérieur à moi ou pas. On est tous chrétiens, on a tous cette égalité, cette pensée qui dirige et qui nous amène à pouvoir refléter Christ. Il y a des différences, nous sommes différents déjà et nous avons peut-être des responsabilités différentes, mais il n'y a pas de différence de valeur. Voilà, de valeur. Et de conception de l'un et de l'autre aussi, normalement. En tout cas, on ne considère pas l'autre inférieur à nous. Ça n'existe pas. Donc, pas de distinction au niveau des... En tout cas, tout ce qui pourrait être racisme, culture, séparation, ça n'a pas lieu d'être. Pourtant, ça existe. Pourquoi ? Alors, parlons du racisme. Si on pense à l'Amérique du Nord, le Ku Klux Klan, c'était des chrétiens. Les propriétaires et esclaves du sud des États-Unis, c'était des chrétiens. Aujourd'hui, il y a du racisme même entre les chrétiens. Donc on ne peut pas le nier. Oui, c'est ça, par contre, entre des vrais chrétiens, on ne devrait pas avoir. C'est aller à l'encontre. Je pense que c'est une honte de se dire chrétien et de voir le racisme. Et c'est très facile d'y tomber. Émile et moi, nous venons de la Roumanie. Et les Roumains tombent très facilement dans le racisme envers les Roms, envers les Gitans. Et par exemple, aux petits-enfants, on dit « tu te comportes comme un Gitan ». Les Gitans vont venir te prendre. Ne sois pas un Gitan. Et pourtant, nous avons dans nos églises des Gitans. Et je me suis mise à réfléchir, je me suis rendu compte que c'est très facile de tomber dans une pensée telle que cela. Et aujourd'hui, je me force avec mes enfants de leur expliquer, voilà, il y a des différences entre nous et eux, mais ça vient de l'éducation. Ce n'est pas le fait que nous avons, nous, une valeur plus grande qu'eux. Mais vous, je dis à mes enfants, vous avez eux la chance d'avoir une éducation qui était meilleure. La valeur est la même. Et je pense qu'on devrait batailler pour que dans nos églises, parce que si nous disons que nous sommes de l'église de Christ, et l'unité, et nous faisons exactement le contraire, voilà, mais ça c'est quand même dommage. Bon, il y a plusieurs raisons pourquoi ça perdure encore, cette attitude de supériorité envers l'autre. Bon, je ne peux pas dire racisme, mais parfois il y a une attitude de supériorité culturelle que certaines montrent envers les autres. Ça vient de l'éducation familiale, comme Erwin il disait. Ça vient peut-être aussi d'une éducation scolaire. Parce que vous savez, il y a des pays où le nationalisme, il est toujours d'actualité. Où les enfants à l'école, au lieu d'apprendre ce qui s'est passé dans l'histoire, ils apprennent une mythologie de l'histoire. Et dans cette mythologie, il y a toujours son peuple, sa culture, qui a été toujours meilleure que les autres. Et quand tu baignes dans tout ça, tu viens, tu te confrontes avec quelqu'un de notre culture et tu le regardes un peu avec mépris. Après, il y a aussi une ignorance, une manque d'information. Donc, tu rencontres quelqu'un, tu vois que dans sa culture, il chante d'une manière différente que toi et tu as l'impression que ce que tu fais dans ta culture, c'est meilleur que dans l'autre. Et tu ne t'intéresses pas pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il est construit comme ça, parce que si on fera des efforts pour comprendre l'autre mieux, je peux vous dire qu'on n'aura pas des attitudes de supériorité. En plus, pour un chrétien, je crois qu'un chrétien doit faire toute sa vie un travail de s'informer, un travail de s'éduquer, un travail de repousser pratiquement toutes ces tendances qui viennent de la famille, de la société, de son entourage, pour regarder l'autre avec mépris. Oui. Tu n'as pas le droit. Si tu es Christ, si tu es avec Christ, imaginez-vous, Christ, il va manger avec les pharisiens. Il va manger avec les collabos, les collaborationnistes, qui étaient les publicains. Les publicains, exactement. Il accepte qu'à la table, quand il mange, il y a des femmes qui s'assoient pour manger. Ça, c'était l'horreur. Vous savez, à ce temps-là, c'était l'horreur. Et quand tu vois Jésus en se manifestant comme ça, tu n'as pas le droit de faire autrement. Si tu fais autrement, bon, tu peux te nommer comme tu veux.
Mais t'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Ah oui. Et justement, alors là, on parle sur tout ce qui peut sembler peut-être évident, clair, et puis sur lequel on a une compréhension qu'on ne devrait pas faire, mais que ça existe. En tout cas, ça n'a pas lieu d'être à partir du moment où on s'appelle chrétien. Les choses deviennent plus corsées quand il s'agit de tout ce qui est théologique, de tout ce qui est philosophique, de tout ce qui est de l'ordre de la pensée ou des convictions. Et justement, qu'en est-il quand la division vient d'un enseignement? Alors nous avons dans Acte 10, un événement majeur qui s'est passé dans la chrétienté. Et notamment, ça a été la conversion des païens. Puisqu'avant, le message avait été donné aux juifs. Et là, il est apporté à tous ceux qui ne sont pas juifs, donc qui peuvent être grecs ou autres, et qui reçoivent en fait cet enseignement. Mais là, là où Pierre avait reçu donc une vision de pouvoir aller et donner en tout cas ce baptême, cet enseignement à Corneille et à toute sa famille, il se retrouve avec de gros reproches de la communauté. Pierre, lui, avait dit, donc c'est dans Actes 10, au verset 34-35, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et voici les reproches. Alors, le peuple à Jérusalem va lui faire des reproches. Comment a-t-il pu aller vers les païens? Comment a-t-il pu se diriger vers eux? C'est impur, etc. Seulement, après avoir entendu le témoignage de Pierre et l'impact du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit lui avait parlé, avec joie, ils vont dire, il sera dit dans Actes 11, verset 18, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Quels enseignements cet exemple nous donne-t-il pour les conflits majeurs qui trop souvent divisent les chrétiens, en tout cas ceux qui le sont, dans leur baptême, dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur pensée, qui veulent sincèrement suivre Christ et qui s'appuient sincèrement sur les enseignements, mais dans des différences d'enseignement ou dans des différences de compréhension se retrouvent en division. Comment, qu'est-ce que cet exemple nous montre là ? Je crois que première chose, il ne faut pas fuir les conflits. Il faut accepter que les conflits font partie de la vie et du progrès dans la vie. Dans une église, s'il n'y a pas de conflits, ça veut dire que cette église est en train de mourir, est en train de s'endormir. Mais les conflits, normalement, naissent, comme dans ce cas-là, naissent des provocations, naissent de la situation que quelqu'un vient d'affranchir certaines frontières, certains tabous, certains préjugés qui existaient. Pierre est allé au-delà des préjugés de l'Église. Ça donne naissance à un conflit. Maintenant, le problème se pose, comment on gère les conflits? Et regardez, ça c'est peut-être l'exemple le plus heureux que vous trouvez dans la Bible, où les gens viennent poser des questions. Il confronte l'apôtre Paul avec la situation. L'apôtre Paul donne son témoignage. Son témoignage, les gens sont sincères, sont ouverts, sont honnêtes dans l'écoute. Et finalement, ils disent, oui, on a bien compris. Maintenant, on sait pourquoi les choses sont comme ça. Et à la fin, l'Église s'est enrichie avec une pratique qu'elle n'avait pas à ce moment-là. Bon, quelques années plus tard, la même chose, ça se passe en Antioche, parce qu'ils ont accepté, par exemple, qu'il y a des païens. Mais des païens, quel type? Corneille, c'était un païen qui respectait le judaïsme. Tout à fait. Mais en Antioche, on a affaire avec des conversions des païens qui ne respectaient pas le judaïsme. C'était des grecs. Oui. Et à ce moment-là, l'Église, de nouveau, commence à s'interroger, à poser les questions. Et il y a même, dans le texte, dit qu'il y a eu une dispute très violente dans les paroles entre ceux qui étaient l'adepte du conversion directe des Grecs et ceux qui disaient qu'il faut qu'il passe par une conversion au judaïsme. Et bon, finalement, ça s'est réglé parce que quand les gens sont honnêtes, quand les gens sont capables d'être à l'écoute, de laisser l'autre parler jusqu'au bout, moi, je crois que le conflit peut se régler avec un issue qui sera meilleure qu'avant le conflit. Et le grand problème apparaît au moment où chacun vient pour imposer son point de vue et qu'on mette comme ça, on bouge les oreilles, on n'écoute pas les autres, on est là pour faire passer juste nos idées. Oui. Et quand tu as un dialogue des sourds comme ça, c'est impossible de régler la situation. Oui. Et malheureusement, il y a toujours des gens qui sont restés sur leur position, et le pauvre apôtre Paul, après qu'on est arrivé à Jérusalem, ils lui ont dit, mais on a entendu que ça fait cela, et voilà. Ce que je voulais dire aussi est que
Il faut aimer et accepter en tant que personne n'importe qui avec n'importe quelle idée. Mais on ne peut pas être uni avec n'importe qui et avec n'importe quel enseignement. Je vous donne un exemple concret, même si ce n'est pas, populaire, mais aujourd'hui, on parle énormément de l'acceptation des homosexuels. Je considère, comme la Bible le dit, qu'il s'agit d'une abomination. Et je considère que s'il y a quelqu'un qui a ce problème-là, on doit l'aimer. Oui, mais on ne peut jamais dire que la pratique de l'homosexualité est acceptable. Mm. En tant qu'Église, je ne pourrais jamais dire cela. Et s'il y a quelqu'un qui enseigne ça, qu'il soit membre, qu'il soit pasteur, pire, ou enseignant, et qui enseigne cela, il n'a qu'à se séparer de l'Église parce que l'Église est unie autour de ce que dit la Bible. Oui, tout à fait. Donc, je peux pas aller dans une unité de ce type-là où, OK, on accepte cette idée-là, on accepte aussi l'autre. L'unité doit être autour de la vérité, autour de Christ. Oui, tout à fait. Et je pense que ça serait plutôt cohérent. Quelqu'un qui dit, bon, je ne peux pas accepter ce que l'Église dit sur ce point-là, mais je me sépare et je vais là où on peut être unis dans cela. Disons que c'est quand même toujours assez étonnant de voir que quand les choses sont écrites clairement, on arrive quand même à vouloir, comme vous le disiez tous les deux, vouloir imposer nos positions sur la Bible et dire non, mais ça peut être différemment et moi je le crois et j'invite des personnes à me suivre et à croire comme moi. Mais en fait, la Bible ne dit jamais ça. Donc après, quand il y a des sujets dans la Bible où on n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas, on se pose encore plein de questions, mais justement, les discussions permettent d'enrichir nos croyances, nos convictions. Alors, il y avait Émile d'abord, Erwin. Il y a aussi une chose, quand on doit gérer des problèmes, des conflits comme ça dans l'Église, il faut carrément mettre sur la table la référence absolue de notre discussion. Mmh. Et quand vous voyez, par exemple, au Concile de Jérusalem, quand il y a cette question, qu'est-ce qu'on fait avec les païens qui se sont convertis, ils se sont bien rappelés, les chefs de l'Église à ce moment-là, de certaines prophéties de l'Ancien Testament, oui, acte 15. Qui parlaient à un moment donné que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, va s'enrichir avec tous les ennemis qui étaient autour d'eux, avec les Édomites, avec les Moabites. Et ils sont comme ça, des textes d'Amos. Bon, il y a aussi le texte de Jérémie qui parlait de toutes ces choses-là. Et maintenant, ils sont convaincus sur la base aussi de la parole, mais aussi sur la base du témoignage. Donc, il faut aller avec les deux. Témoignage, pratique, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mais aussi le texte biblique. D'accord. Parce que sur le terrain, tu vois que les manifestations du Saint-Esprit sont les mêmes avec les Grecs comme avec les chrétiens qui ont été convertis parmi les juifs, mais il faut avoir aussi un passage, un texte, il faut avoir quelque chose de la Bible qui va appuyer ça. Et quand tu as ces choses-là, et quand les gens acceptent cette base de discussion, tu trouves toujours l'unité. Nous avons un exemple extraordinaire aujourd'hui, notre Église adventiste est assez divisée, il y a un conflit, on ne peut pas le nier, autour de la position de la femme en tant que pasteur. Et je pense que même s'il y a énormément de discussions et les uns qui défendent une ou l'autre des positions avec ferveur, je considère que la manière dont notre Église traite cela et depuis des années est un bon exemple d'unité. Et que nous pouvons avancer ensemble en tant qu'Église locale, mondiale, même si on a des points de vue différents. Donc, je considère la manière dont notre Église avance dans ce point que nous n'avons pas le temps d'étayer là. C'est un exemple que ça marche aussi aujourd'hui. Parce que ce point-là pourrait être, au moins dans certains endroits, une vraie... Incision pour toute l'Église. Oui, voilà. Oui, effectivement. On voit que ce sujet est vraiment riche quand surgissent des conflits. Les conflits peuvent surgir, mais les conflits ne veulent pas dire division. Au contraire, si le Seigneur permet qu'il y ait des désaccords ou peut-être des différences de perception, c'est pour que nous puissions rechercher le Saint-Esprit et trouver l'unité. Et parfois, cela n'arrive pas tout de suite. Parfois, cela pourra mettre des années. Mais nous ne pouvons pas être divisés en Christ. Le Christ est un corps. Que nous puissions être des chrétiens authentiques, dans la pensée comme dans le comportement, et que nous puissions refléter ce Dieu Tout-Puissant. Très bonne étude encore à vous.